Bonjour, installez-vous, tenez, installez-vous. Comment allez-vous? Oui, c'est sûr que si vous venez me voir, c'est que vous n'êtes pas bien. pardonnez-moi, je souris, mais ça n'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Mal de tête. Ah, mal de tête. Vous avez mal à la tête. C'est une douleur récurrente. Oui, vous avez mal tout le temps. D'accord, c'est très bien. Enfin, non, non, c'est pas très bien, mais c'est. Ça n'est pas grave. Je sens que ça n'est pas grave. Bon, alors écoutez, vous savez que j'ai fait mes études aux États-Unis et que j'applique la méthode américaine. Oui. Oui, certainement. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, vous avez mal à la tête, des douleurs récurrentes. Bon, ben, je pense qu'il faut amputer. Il faut couper la tête. Pardon? Ah oui, mais vous n'imitez pas du vôtre hein, non plus. Alors, bon, d'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire si vous voulez pas qu'on vous coupe la tête? Ben, écoutez, puisque j'ai les écouteurs, je vais déjà écouter vos pulsations cardiaques. Hein? Ça fait pas mal. Voilà. Tenez, alors attendez. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Oui, voilà, c'est rien, c'est rien. Ah, ça reprend. Calmez-vous. Calmez-vous, je vous dis. Calmez-vous, je vous coupe la tête. Voilà. Très bien. Non, très bien. C'est parfait. C'est parfait. Eh bien, écoutez, vous n'avez aucun problème cardiaque. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Sinon, il aurait fallu couper le cœur. Ah ben oui, ça c'est méthode américaine, hein. Ça vient de sortir. Oui, ça vient de sortir. Alors, ensuite, comme vous avez mal à la tête, je vais quand même vous poser une question très importante. Est-ce que vous brossez correctement les dents? La question est, est-ce que vous brossez correctement les dents? Les Vous comprenez? Oui. Oui. Bon, alors montrez-moi comment vous faites. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais vous montrer. Vous prenez une brosse à dents. Vous mettez du dentifrice, d'accord? Comme ceci. Et ensuite, vous, pour les dents du bas, vous partez vers le bas, c'est facile hein, de se rappeler. Pour les dents du bas, vous partez vers le bas et vous remontez. Voilà. Ouvrez la bouche. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Non, non, mais la brosse à dents, je fais juste des. Je montre ça à différentes personnes, puis je la nettoie après la brosse à dents. Je la lave. Allez, ouvrez la bouche au lieu de poser des questions ridicules. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Voilà, très bien. Comme ça, il faut faire. Partez vers le haut et puis vous allez en bas. Voilà. Voilà, comme ça il faut faire. Voilà, il faut faire comme ça. Et pour les dents du côté, c'est pareil. Voilà, vous comprenez?
Voilà, donc vous savez comment il faut faire. Donc il faut faire ça 3 fois par jour pendant au moins 50 minutes à chaque fois. Ah non, mais c'est ça, c'est la méthode américaine. C'est 50 minutes matin, 50 minutes midi, 50 minutes le soir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui... Mais ça participe à la disparition de votre mal de crâne. Vous ne comprenez pas? Tout est connecté. De nos jours, nous sommes en 1950, en 2021, pardon. Nous sommes en 2021. Et nous savons que tout est connecté dans le corps. Donc si vous avez mal à la tête, effectivement, cela peut avoir un problème. Enfin, un départ dentaire. Hein? Donc voilà, c'est très important. Alors, on en était où? Ah oui, vous coupez vous coupez. Oula, ça fait fort ça. Ah non, vous vouliez pas ça. Non, c'est vrai. Alors, je suis désolé. C'est une méthode américaine. Ça permet de d'améliorer les problèmes dentaires et les problèmes de mal. Ça ne mange pas de pain, comme on dit, hein? Ça ne mange pas de pain. Oui, ben, j'arrête quand je veux, hein? Je suis chez moi, je suis dans mon cabinet, vous n'allez pas m'apprendre mon travail quand même. Déjà que vous venez me déranger pendant mes heures de boulot, vous me prenez pour un médecin ou quoi? Oui, je suis médecin, mais c'est... C'est pas une raison. C'est pas une raison pour déranger les gens pendant leur travail, hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Voilà, eh bien j'ai fini. Voilà. Donc vous inquiétez pas, votre mal de tête va disparaître d'ici quelques années. Et vous reviendrez me voir, voilà, vous revenez me voir dans une semaine, hein, en fait. Ah ben comme d'habitude, le tarif habituel, 100 euros. Oui, c'est méthode américaine aussi, c'est 100 euros. Voilà, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils sont un peu... Vous m'avez donné un seul billet là, parce que c'est un peu épais quand même, hein. Eh ben regardez, c'est tellement épais que... Ce sont 100 euros, c'est du béton, hein. C'est du béton, c'est du béton, ça coûte cher le béton. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup, je vous remercie, vous pouvez partir là, ça y est, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Je vous dis, d'ici quelques temps, ça va aller beaucoup mieux. Oui, allez-vous-en. Oui. Comment? Non, vous pouvez partir, allez-y. Allez-y ou j'appelle le videur. Hein? Voilà, merci. Ok. Allô, Isabelle, renvoyez-moi le client suivant, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour madame. Tenez, installez-vous. Comment allez-vous? Pas bien? Ah bah oui, c'est aussi pour ça que vous venez me voir, hein. Hein, si vous alliez bien, vous m'auriez oublié depuis longtemps. Hein? On sait ce que c'est, nous, les médecins. Heureusement que j'applique la méthode américaine. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Oui. Ah, un petit problème. Des douleurs musculaires au bras. D'accord. Depuis quand? Au bras gauche, oui. Depuis quand? D'accord, oui, pas depuis longtemps, depuis 2 jours. Au niveau du poignet. Poignet, d'accord. Montrez-moi votre poignet. Ouais. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout, hein. Mais par précaution, on va quand même amputer, hein. C'est la méthode américaine. Non, vous voulez pas? Non, vous voulez pas. D'accord.
Bon, je peux comprendre, hein, c'est... On a peur de guérir quelquefois. Oui, on a peur de guérir. Je peux vous comprendre. Pardon? Ce que je suis en train de faire? Ah ben c'était... Bah, vous irez sur ma chaîne YouTube, hein, ça s'appelle ASM Eric. Et puis vous verrez ce que je fais. Ben, le mieux, c'est ça. Ce serait trop long à vous expliquer, vous comprendriez pas. C'est méthode américaine aussi. Oui, j'ai vécu 2 jours aux États-Unis. Alors, nous allons sans douleur. Non, c'est pas la méthode américaine, non, c'est une piqûre. C'est pour vous endormir. Vous voulez pas? Bah, écoutez, non, mais juste un endormissement local, hein. C'est pas une opération que je fais, c'est je sais pas ce que je fais d'ailleurs, hein, mais je vais le faire, hein. C'est juste local, d'accord? Très bien, voilà. Donnez-moi votre poignet. Voilà, donnez-moi votre poignet. Oh. Vous êtes taquine, vous, hein? Ah. Pourquoi? Ça traverse le bras? Non. Non, ça traverse pas le bras. C'est une illusion d'optique. C'est une illusion d'optique. Non, c'est rien. C'est rien. Isabelle, s'il vous plaît, appelez les pompiers et le médecin de garde, s'il vous plaît. Non, en 15-20 minutes, hein. Voilà. Hein, là, je suis en train de travailler. D'accord? Merci. Pardon? Non, c'est rien du tout. On va continuer. Voilà, vous exercez une pression comme ça, hein. Voilà, sur votre... Voilà, voilà, pincez fort, ça va s'arrêter, hein, ça va s'arrêter, hein, voilà. Très bien, voilà. Alors, nous, vous venez pourquoi déjà? Parce que j'ai des problèmes de poignet, oui, problème de poignet, oui. Ah oui, c'est un sacré problème là que vous avez. Ah, attendez, pour... Non, vous inquiétez pas, je connais mon métier. Je connais mon métier. Je connais mon métier, 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 je connais. Pardon? Pourquoi je répète? Je serai pareil, vous irez voir ma chaîne. Hein. Alors, je vais, grâce à ce petit objet que vous voyez, je vais appliquer la grosse boule sur des points d'acupuncture. Et je vais appliquer la petite boule sur des points d'acupuncture. D'accord? Non, là, ça commence pas là. Laissez travailler les professionnels, s'il vous plaît. Merci. C'est pour faire chauffer l'instrument, hein, c'est très important. C'est une méthode qui m'a été enseignée par un ami extraterrestre. Voilà. Et en même temps, ça détend, ça détend. Ça peut énerver aussi, hein, mais ça peut détendre des fois. Je ne sais pas. Voilà. Alors, je vais appliquer ça. Attention, parce que cette technique est... n'est pas anodine. Il faut être extrêmement précis. J'insiste, il faut être extrêmement précis. Le problème, c'est que je n'ai pas mes lunettes et je n'y vois pas grand-chose. Attendez, voilà, je vais mettre mes lunettes pour les chercher. Vous les auriez vues, s'il vous plaît, mes lunettes? Non. Non, non, non. Où est-ce qu'elles sont, ces lunettes? Bon, arrêtez de gigoter comme ça, écoutez, arrêtez de gigoter comme ça. Je cherche mes lunettes. Laissez-moi
Bon, écoutez, je les trouve pas, tant pis, je les chercherai un autre moment. Donc, non, mais arrêtez d'écouter comme ça, parce que je vais être obligé de vous attacher, sinon, hein. Eh ben oui, voyez. Oui. Oui, vous savez ce que c'est, ça? C'est sans des chaînes. C'est pour les opérations difficiles. Voilà, vous avez compris maintenant qu'il faut, voilà, faut calmer, hein, d'accord? Alors, j'en étais, oui, au point d'acupuncture extrêmement précis, même si je n'ai pas mes lunettes, je ne les trouve pas. Mais bon, c'est pas grave, hein, je peux y voir sans lunettes, hein. Alors, je vais exercer sur le point HB de 12. Enfin, là, c'était pas le point HB de 12, c'était le méridien H de 13. Avec la grosse boule, et avec la petite boule, le point. Je ne me rappelle plus du point, mais c'est un point très important pour que votre poignet puisse aller mieux. Mais en fait, c'est mieux la grosse boule. Mieux, très bien, voilà. Alors à présent, je vais devoir me laver les mains parce que, dans le sens de l'hygiène, nous les bricoleurs, les médecins, voilà. Parce qu'à présent, je vais vous masser le dos. Oui, c'est pour le poignet, oui, bien sûr. Je vais vous masser le dos parce qu'il y a des points. D'acupuncture dans le dos pour le poignet. Vous comprenez? Nous sommes connectés, nous sommes tous connectés, le corps est connecté au corps. Voilà. Oui, j'aime bien me laver les mains. Oui, j'aime bien me laver les mains tout le temps. Oui, tout le temps, je me lave les mains tout le temps. Voilà. À présent, je vais vous masser le dos avec ces masseurs. Ce sont des masseurs, méthode américaine. Vous êtes prête? Voilà, tournez-vous. Ok, très bien. Voilà. Voyez, vous sentez un peu moins la douleur au poignet, hein, normalement. Oui, vous voyez, je vous l'avais dit. Voilà, oui. Ah, une petite douleur là, attendez. Ça va mieux? Voilà, attendez. Voilà. Eh bien, voilà, je vous remercie. Je pense que vous allez aller mieux, de mieux en mieux, hein? Excusez-moi juste un instant. Isabelle, s'il vous plaît, les pompiers sont là. Les pompiers sont là. Très bien, je vous envoie la personne, hein? D'accord. Non, c'était pas pour vous. Non, c'était pas pour vous.
Non, non, non. Non, 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 non. Mais ça fait 100 euros, s'il vous plaît. Eh oui, mais c'est le tarif habituel, hein. C'est... Vous êtes venu voir un spécialiste, vous l'avez eu, voilà. Je suis spécialiste de quoi? Ben vous savez, écoutez, je suis spécialiste de tout. Bien évidemment, hein? D'accord, allez. Merci, merci beaucoup pour les 100 euros. Vous aussi, hein, vous avez des 100 euros, mais c'est... Merci beaucoup. Allez, vous pouvez. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, c'est moi, c'est moi. Voilà, puis vous suivez les gens, hein, ils vont vous ramener chez vous. Hein? Non, vous inquiétez pas, ça va aller. Voilà, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Isabelle, vous m'envoyez le client, le patient, pardon. Le patient suivant, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Ah, oui, bonjour, entrez. Entrez, madame, tenez, asseyez-vous. Mademoiselle, oui, bon, mais mademoiselle, asseyez-vous quand même. Hein. Les chaises sont pour tout le monde. Allez-y, oui. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Oui, vous n'êtes pas bien, non. Oui. Ah, la dépression, oui, la dépression. Alors moi je vous conseille contre la dépression, je vous conseille il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais le stress, oui, c'est ça, oui. Je vous conseille la méditation et je vous conseille d'aller sur le site Cercle de méditation Éric Bacher sur YouTube. Hein? Il fait des vidéos de méditation. Vous y êtes allé déjà et. Vous n'aimez pas du tout. Ah oui, d'accord. Oui, bon, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Oui, il se prend trop au sérieux. Oui, oui, c'est un choix d'être. Moi, j'ai pas pris ce choix-là du tout. Hein. Je me prends pas au sérieux. Oui, enfin, respectez-moi quand même. Allez, tenez. Alors, qu'est-ce qui... Oui, c'était la dépression, le stress. D'accord. Bon. Alors, ce que je vous recommande, je vais déjà... Contre le stress, je vais appliquer la méthode... Laissez-moi réfléchir. La méthode... Laissez-moi réfléchir. La méthode... Laissez-moi. Oui, je réfléchis longuement, c'est important. Hein. Je ne prends pas la santé de mes patients. Je la prends au sérieux, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, oui. Voilà, laissez-moi réfléchir, hein? Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir. Oui, vous avez soif, peut-être. Oui, je viens d'avoir l'idée. En faisant le bruit, je me suis dit que vous aviez peut-être. Je vais vous servir un verre d'eau, oui. Oui, c'est un verre d'eau. Un grand verre d'eau. Et vous avez très soif, oui, vous allez tout boire. Hein? D'accord. Voilà. Allez-y, bébé. Allez, églou, 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 églou. Il faut tout boire, faut tout boire. Églou, églou, bravo! Elle est des nôtres, elle a mis son verre comme les autres. C'était de l'eau, hein? Calmez-vous, calmez-vous. Allez, redescendez un petit peu. Alors, contre le stress, oui, je vais appliquer la méthode American Method. Ok? Je vais appliquer ceci. Alors ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je ne vous le dirai pas, madame.
Secret médical, secret médical. Non, je ne vous dirai pas à quoi ça sert. N'insistez pas, c'est secret médical. Hein. Sachez juste que ça fait du bruit. Et que ce bruit va améliorer votre stress. Enfin, améliorer votre stress, va combattre votre stress. Enfin, vous avez compris, vous allez aller mieux, quoi. Hein, c'est ce que vous. Vous êtes venu me voir pour ça, d'accord? Ok, allez. Pardon? Ah, vous voyez? Ah ouais, non, je ne suis pas un charlatan, madame. J'ai fait l'école américaine pendant une journée. Voilà. Alors maintenant, on fait dans l'autre sens, hein? Voilà, ça va mieux. Très bien. Ah, ce n'est pas fini. Non, ça n'est pas fini. Le traitement n'est pas fini. Oui, je traite les patients en direct. Directement, ils viennent me voir. Et directement du producteur au consommateur. Alors, contre le stress, il y a cet objet magique. Ça sert à se brosser les cheveux. Mais ça sert aussi à améliorer le stress. Enfin, quand j'ai amélioré, c'est combattre, hein, c'est comme tout à l'heure, c'est le même. Voilà, c'est pour aller mieux. Voilà, c'est pour aller mieux. Fermez les yeux, fermez. Fermez. Ayez confiance. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Oui, allez, fermez les yeux. Je vous en prie, allez, fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Oui, très bien. Mais l'autre œil maintenant, fermez l'autre œil. Voilà. Fermez l'autre œil. Les deux. Bon, les deux en même temps. Fermez les deux yeux, oui, voilà, très bien, voilà. Ça fait du bien. C'est fou. Oui, ça détend, c'est ça, exactement. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Restez assis, rasseyez-vous, c'est bientôt fini. Voilà, très bien. Oui, très bien. Voilà. On dirait un peu un chat qui ronronne un peu, hein? Un peu, faudrait faire peut-être plus lentement, lentement. Ou pas, on dirait pas, peut-être aussi. On dirait pas un chat qui ronronne. Ça dépend des goûts. Oui, ça. Gardez les yeux fermés, hein. Voilà. Très bien, vous pouvez rouvrir les yeux. Ça s'est très bien passé. Nous avons bientôt terminé. Nous allons terminer par le plus important. Voilà, ça c'est pour les réflexes. Mais comme vous êtes en période de stress post-traumatique et bitraumatique à
tendance sinusoïdale et complexe diversifié par une bipolarité transversationnelle. Oui. Et je suis obligé d'utiliser cet outil. Non, rassurez-vous, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal au deuxième coup. C'est juste le premier qui... Après, vous ne sentez plus rien. Hein, c'est... Non, allez, faites voir votre genou. Votre genou, voilà. Votre genou, voilà. Voilà. Très bien, montez le plus haut parce que c'est pas moi qui vais me mettre à votre niveau. Hein. Je suis là pour élever les gens. Donc, montez votre niveau. Votre niveau, oui, et votre genou. Voilà, voilà, plus haut. Encore, encore. Non, j'ai un peu mal au bras. Encore, encore. Voilà, très bien, merci, merci. Ne bougez pas. Pas terrible, hein? Ouais, pas terrible. Ça, c'est mieux. Hein, vous sentez? Oui. Oui, moi aussi, je... Voilà. Voilà. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Voilà. Ben j'aime bien faire ça, c'est pour nettoyer l'instrument. Ça nettoie l'instrument. Voilà. Très bien. J'essuie votre genou parce que je l'ai un peu sali. Voilà. Voilà. Et voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai terminé cette séance. Il ne vous reste plus qu'un... Comment dirais-je ? Le nerf de la guerre, vous savez bien, le... Pardon ? Non, mais je veux dire, faut... Voilà, la séance est finie. Hein, vous allez partir, mais avant, il faut... Vous comprenez pas ? Vous savez, tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Tout travail. Tout travail mérite salaire. Alors, comprenez pas. Ça fera 100 euros, s'il vous plaît. Merci. Non, mais rasseyez-vous, payez-moi. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Vous vous rendez compte? Isabelle, s'il vous plaît, appelez la police. Et dites que la personne qui vient de sortir est partie sans payer, s'il vous plaît. Merci. Pour quelle raison? Écoutez, je l'ai soignée, elle a refusé. Allô? Allô? Mais vous êtes qui? L'infirmière. L'infirmière de quoi? Ah, mais j'ai peur des infirmières, moi, ça fait mal, c'est les piqûres, tout ça. Non. Hein? On va venir me chercher? Non, pourquoi on va venir me... Pourquoi? Dites-moi pourquoi on va venir me chercher? Pourquoi? Non, je ne me suis pas évadé. Non, je ne me suis pas évadé. La porte était ouverte. La porte était ouverte, j'ai sauté, voilà, par-dessus le mur, parce que la porte était ouverte, hein, c'est tout, d'accord. Ah, dans une minute, ils seront là, oui, bon, ben, d'accord. Bon, ben, je vais vous laisser, j'espère pouvoir vous dire à très bientôt. Oui, je souffle, j'aime bien souffler en période de stress, ça déstresse. Ça fait du bien. Voilà. C'est bientôt terminé. Voilà. Allô? Allô, Isabelle? Ah. Elle est partie. Je crois que je l'ai vue partir en courant par la fenêtre.
Je crois que là, il va falloir que je vous laisse parce que j'ai risque d'avoir un léger contretemps. J'espère pouvoir vous revoir la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire si cela vous a plu, si vous voulez que je revienne, que j'arrête. D'accord? Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche jaune. Elle est pas jaune. Ben, sur la cloche, alors, voilà, la cloche, et puis pour être prévenu des prochaines vidéos. Hein, d'accord. Et puis n'oubliez pas de venir me voir, hein, si vous avez un petit souci, quel que soit le souci, vous savez, je suis très compétent parce que j'ai travaillé de nombreuses années de nombreuses années, oui, j'ai travaillé de nombreuses années. Et méthode américaine, hein, rappelez-vous méthode américaine. Donc si cet épisode vous a plu et que vous voulez me revoir, dites-le en commentaire. D'accord. Merci beaucoup. Ah ben, j'ai retrouvé mes lunettes. Elles étaient devant moi. Je suis bête. Je suis bête. Bon ben, allez-y, raccrochez alors. Non, toi d'abord, vas-y, raccroche. Non, toi. Non, raccroche pas, raccroche pas. Ou tu vas aller voir d'autres vidéos de moi, comme ça fait grossir la chaîne. Comme ça j'ai plus de monde, et puis comme ça j'ai plus de patients. Voilà. Et puis peux faire plus d'opérations, soigner plus de gens. Et voilà, ils seront contents à l'asile. La clinique, hein? D'accord? Ok. Allez, à bientôt. Au revoir. Voix douce et relaxation guidée.